paix, très haute et fraternelle considération. Télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut plus d'action, agir plus vite et plus fort contre le réchauffement de la planète. Eh bien, en pleine COP26, des centaines de jeunes manifestent, comme vous le voyez sur ces images, pour demander aux dirigeants de ne plus seulement parler, mais d'agir concrètement pour sauver la planète du réchauffement climatique. Aujourd'hui, plusieurs centaines de jeunes militants écologistes ont défilé dans les rues de Glasgow pour pousser le gouvernement à agir à la fin de la première semaine de la COP26. Ils appellent à une conférence sur le climat et non à un festival de greenwashing des pays riches. Et je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Les lauréats de la journée d'excellence ont été récompensés et la cérémonie présidée par le chef de l'État a eu lieu donc aujourd'hui 5 novembre au palais présidentiel. Le gouvernement a décidé de mettre en lumière les plus talentueux de la société ivoirienne afin de susciter le goût de l'effort, du travail acharné.